Ça a été une petite fille tranquille mais un peu espiègle, qui était très vive. Et puis après, ça a été une jeune fille un petit peu rebelle, beaucoup de caractère, très déterminée. Maintenant, on dirait féministe. Bonsoir, mesdames. Ce n'est point l'aviatrice qui parle, mais la femme aviatrice qui essaiera de vous dire en quelques mots le manque d'équilibre qui existe entre la situation d'un aviateur et celle d'une aviatrice. Elle provoquait, partout où elle passait, un immense mouvement de sympathie. Et ça, c'est un peu mystérieux. Mademoiselle Boucher, nous allons vous faire une proposition. Accepteriez-vous de voler pour nous sur le Caudron Rafale et d'en assurer la promotion? Après tout, si un enfant ou une femme est capable de le piloter, cela signifierait que tout le monde le peut. Oui. J'accepte, mais à une condition. Je ne veux personne avec moi. Je le piloterai seule. Entendu.